tout le monde, Hunt et Deck ont donné un Golden Buzzer dans Britain's Got Talent, mais à qui et pourquoi? Iwasaki Keiichi est un magicien non professionnel, en tout cas pour l'instant, et il a réalisé un tour plutôt drôle dans les auditions. Je vous conseille vraiment de regarder la vidéo d'origine dont le lien est en description, mais je vous cache pas qu'il faut un bon niveau d'anglais pour vraiment comprendre et s'amuser de tout ce qui se passe, d'autant qu'il a un accent qui est pas facile à comprendre. Bref, on va regarder un tour simple mais efficace et qui contient un élément dont on n'a pas encore parlé en détail. Keiichi commence avec un truc bidon. Il fait rentrer des baguettes dans son oreille et elles sortent par la bouche. Ensuite, il fait venir Hunt et Deck sur scène. Deck mélange un paquet de cartes et en prend une au hasard. Keiichi mélange le jeu à son tour mais il ne trouve pas la carte. Et c'est normal car elle est sous le bras de Deck. Ensuite, la carte se met à voler. Keiichi prend maintenant un billet de 20 livres et il se plie tout seul. Plusieurs fois de suite, qui plus est. C'est au tour d'Alisha de monter sur scène. De façon totalement improbable, Keiichi va faire léviter une bague qui va atterrir directement sur le doigt d'Alisha. Bon, soyons honnêtes, le Golden Buzzer est principalement dû à la personnalité de Keiichi et à la façon dont le tour s'est passé avec les présentateurs, la jurée, etc. En termes de magie, on est sur de l'ultra classique, mais j'avais envie de vous parler de la carte qui vole et de la bague qui vole. Revenons au début du tour. Le coup des baguettes, c'est le summum du bidon, mais ça marche à chaque fois. En fait, c'est la main qui bouge autour des baguettes. Donc pour réaliser cet effet, il faut un objet de coloris uni et sans repère pour qu'on ne voit pas qu'il reste immobile. Les baguettes sont en bois, elles sont fines et lisses, c'est l'objet idéal pour ce truc. Bon, moi je vous le fais exprès avec un objet inadéquat. Hop, ça rentre, et ça sort. Si on le fait vite, on a vaguement l'impression que l'objet rentre et sort vraiment des différents orifices du visage. Et même si on n'en a pas l'impression, ça reste un tour assez sympa pour commencer un numéro dans une ambiance légère. Eric-Antoine l'a pas mal utilisé. On arrive à la partie avec le jeu de cartes. Le jeu est vraiment mélangé et Deck en choisit vraiment une au hasard. C'est après que viennent les manipulations. En effet, une fois que la carte est reposée sur le premier tas du jeu, le deuxième vient se placer au-dessus, ce qui perd théoriquement la carte. Sauf que ce deuxième tas va à peine être posé par-dessus que le jeu va tout de suite être coupé. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la carte de Deck est là, et juste après avoir fait genre de poser la deuxième moitié dessus, Keiichi va couper le jeu de cette façon-là, ce qui place la carte tout en haut du jeu. Il le fait dans un geste rapide qui ressemble à ça. Et pour couronner le tout, il parle au moment où il fait cette manipulation. Comme toujours, la diversion la plus simple est souvent la plus efficace. On va juste prendre un repère. Après avoir placé la carte de Deck tout en haut du paquet, celle qui est tout en dessous est un 9 de pique. Keiichi fait à nouveau sa chorégraphie, puis fait à nouveau une coupe avec 3 tas. C'est une fausse coupe. Autrement dit, après sa manipulation, les 3 tas auront les mêmes positions qu'avant, et la carte de Deck sera toujours sur le dessus du paquet. Le problème, c'est que le montage nous empêche de voir le début de la fausse coupe, mais ça doit ressembler à peu près à quelque chose comme ça. Bon, après des fausses coupes, il en existe plein, donc peu importe celle qu'il a utilisée exactement. Hein. À la fin de cette manipulation, il ne referme pas complètement le paquet, il garde l'un de ses tas et montre la carte du dessous pour pouvoir simplement montrer une carte au hasard et faire croire qu'il s'est planté. Autre casse-couillerie du montage, après la fausse coupe, on ne voit pratiquement pas la carte qui est en dessous du paquet. Du coup, on ne peut pas savoir si c'est le 9 de pique qu'on avait pris en repère. Bref, on arrive à la réapparition de la carte. Keiichi l'empalme assez facilement puisqu'elle est sur le dessus du paquet et il la fait réapparaître sous le bras de Deck. On arrive au premier moment fort du tour. La carte de Deck, toujours la même, se met à léviter. Puisque la carte a été choisie au hasard, on sait que la technique utilisée ne réside pas dans une carte truquée. Il s'agit d'un bon vieux mais terriblement efficace fil invisible. Keiichi doit juste l'attacher à la carte choisie, ce qu'il fait lorsqu'il va près de son vélo pour ranger le paquet. Est-ce que l'attache est juste un bout de scotch ou autre chose, ça peu importe. Ce qui compte, c'est de l'attacher au centre de la carte pour pouvoir la faire tournoyer. L'autre extrémité du fil peut être attachée à plusieurs endroits, mais ici je pense qu'il est attaché sur sa tête. Si vous regardez la vidéo en vous concentrant à la fois sur sa tête et sur la carte qui vole, vous verrez qu'il bouge souvent en même temps et qu'il reste équidistant. Équidistant ? Quoi ? Ça veut pas dire ça ? Et quand la carte a l'air de faire des mouvements un peu plus libres, c'est parce que Keiichi fait passer le fil entre ses doigts pour pouvoir le déplacer et lui donner un angle différent. On arrive au billet qui se plie tout seul. Devinez quoi, c'est à nouveau une histoire de fil invisible. Je vous mets le lien d'une vidéo qui vous décrit exactement comment réaliser ce gimmick fait maison.
En gros, il y a un fil qui traverse plusieurs trous à des endroits précis du billet, et en tirant cet unique fil, on peut le faire se replier en trois étapes. Dans la vidéo en question, c'est l'autre main qui tire le fil. Mais ici, je pense que le fil est plutôt attaché à son pantalon et qu'il le tire en éloignant sa main du pantalon. Du coup, on arrive à la bague volante. Et oui, vous avez raison, c'est à nouveau un fil invisible. Le principe est plus ou moins le même qu'avec la carte volante. Le fil est attaché directement à la bague. Mais si on la laisse juste pendouiller comme ça, bon bah c'est un peu naze. Mais si on fait tourner la bague sur elle-même, la force centrifuge va la garder à l'horizontale, bien qu'elle ne soit attachée qu'en un seul point. On peut rajouter des bruitages. Ce point d'attache est donc en rotation lui aussi, et cette espèce de mouvement avec un petit peu de secousse donne l'impression que la bague lévite. Ce fil part donc de la bague, puis passe par-dessus la tête de Keiichi, et va terminer sa course sur l'un des doigts de la main droite. Donc comme avec la carte, on peut remarquer que la bague est toujours alignée verticalement avec la tête, c'est normal car elle y est suspendue. Quant à la main droite où est attachée l'autre extrémité du fil, elle sert de balancier. Quand Keiichi baisse la main, la bague monte, et quand Keiichi monte sa main, la bague redescend. Ah, ça brûle, putain! À la fin de son mouvement, on voit justement que sa main droite commence à s'éloigner, et ce, afin de faire monter la bague au niveau de la main d'Alisha. Et pour faire tomber la bague sur le doigt, il lui suffit de remonter sa main d'un seul coup, et pour dissimuler ce mouvement un peu louche, il fait un sursaut complet avec tout son corps, en fait. Au-delà de cette façon de manipuler la bague, il y a aussi des petites manipulations qui permettent de prouver que la bague n'est pas attachée à un fil. Il s'agit de ces petits cercles qu'il fait avec le doigt pour faire genre « Regardez, y a rien, quand même. » Quand il fait des cercles à l'horizontale, on sait que c'est futile parce que le fil est à la verticale au-dessus. Par contre, à un moment, il fait un cercle vertical et il devrait heurter le fil. Mais en fait, ce n'est pas le cas parce que c'est un faux cercle vertical. Je veux dire, si vous devez faire un cercle vertical avec votre main, vous allez faire un mouvement comme ça, où vous allez bouger bah, toute la main, en fait. Vous n'allez pas faire un mouvement comme ça où seul le poignet tourne. Ce mouvement donne l'impression de faire un cercle vertical, mais le cercle tracé par l'index est en fait totalement de travers, et permet d'éviter soigneusement le fil. Bon, là, j'ai clairement un fil, et je fais cette espèce de mouvement. Je donne l'impression de faire un mouvement vertical, mais voilà, j'évite le fil très facilement. Par contre, je touche la bague. Mais c'est parce que c'est un gros rouleau de scotch. C'est pour ça. Et pour le moment où la bague passe dans un cercle formé par les deux mains, c'est très simple. Il forme son cercle autour du fil au-dessus de la bague et il a juste à descendre comme ça en restant parallèle au fil. Regardez, là je vais le faire avec mes mains. Je forme le cercle autour du fil, je descends et ouh, ça passe au travers, c'est magique. Bien, c'est tout pour ce tour. Cette histoire d'objets qui lévitent avec des fils invisibles, je pense que ça fait partie des choses dont on devait parler au moins une fois dans une vidéo dédiée. Et c'est maintenant chose faite grâce à ce magicien très amusant. Et je me demande vraiment ce qu'il va faire lors de son prochain passage. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à mettre un petit commentaire, à la partager tout autour de vous et même peut-être à vous abonner à la chaîne. Dans la description de la vidéo, il y a tout un tas de liens que vous pouvez utiliser. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, me soutenir sur Utip, Tipeee. Et il y a aussi un lien vers la chaîne Twitch sur laquelle des lives très amusants ont lieu. Quoi qu'il en soit, merci à tous pour avoir vu cette vidéo et pour le soutien que vous manifestez à la chaîne. Je vais maintenant remercier les tipeurs. Et je n'ai plus qu'à vous dire plus pour la prochaine vidéo. Il le fait dans un geste très rapide qui ressemble à ça. C'est de la merde ce que je fais.